C'est la première fois que je viens au Maroc, ça fait presque une semaine et demie qu'on est là, si je ne me trompe pas, parce que j'ai un peu du mal avec les périodes et les dates. Et on a fait plusieurs villes maintenant, Oujda, Meknès par exemple, et j'aimerais vraiment beaucoup le Maroc, et très bel accueil à chaque fois, le public marocain est super, ça danse, c'est joyeux. Alors, je connais qu'un gars qui nous a accompagnés sur deux dates, qui s'appelle Double M. C'est un ancien champion du Maroc. Et du coup, il nous a accompagnés sur deux dates. Et donc, je ne connaissais que lui. Après, à chaque fois sur scène, maintenant, je demande si dans le public, il y a un beatboxer. Et s'il y en a un, je le fais monter. Comme ça, je découvre les beatboxers au Maroc. Quelle ville ? Alors, en premier, on a fait Oujda. Ensuite, on a fait Meknès, Fès, Kenitra. Enfin, ici, El Jadida. Et peut-être j'en oublie une. J'en ai oublié une, je pense. Mais... c'était super à chaque fois, mais j'ai pas la mémoire des noms tout le temps. Et ça passe vite, c'est tous les deux jours on change de ville, ça passe très vite. Enfin, c'est dur parce que je suis arrivé qu'aujourd'hui, donc j'ai pas vu encore comment c'était. J'ai juste fait les balances cet après-midi, le soundcheck, et j'ai joué ce soir, mais j'ai pas pu visiter encore. Et demain matin, je repars. Du coup, c'est un peu compliqué de voir la ville pour El Jadida. J'ai mangé plein de plats. J'ai mangé du couscous, évidemment. J'ai mangé des tagines. J'ai mangé de l'agneau, kefta. Enfin, tout. J'ai tout goûté. Très bon, très bon. C'était cool. Il y avait du monde. Ils ont l'air d'apprécier. Après le concert, j'ai eu beaucoup de retours des Marocains. Ils m'ont dit qu'ils ont kiffé, qu'ils ont aimé. Donc, ça fait plaisir. Ouais, il est bien, il est bien. Après. Enfin, franchement, c'est nickel. Hein. Moi, je fais de la musique dansante, les gens ils dansent, c'est tout ce que je demande. Et voilà, c'est parfait. C'est sûr que pendant deux ans, on n'a rien pu faire, donc c'était un peu compliqué. Et puis après, là, les concerts ils reviennent petit à petit, donc c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Et ben, merci à vous de me suivre et merci de venir au concert parce que c'est important de venir me voir en live. Ça me fait très plaisir et continuez à venir faire la fête avec moi et on va bien s'amuser. Ah, une prochaine fois, peut-être, ouais, j'aimerais bien revenir peut-être. Inch'Allah. Je connais plein, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'amis marocains, algériens en France, donc je connais plein. Inch'Allah par exemple, Roya, je sais pas, il y en a plein. الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.